Laetitia Casta chic et sobre à la première du film Elle. Elle n'est pas passée inaperçue. Laetitia Casta s'est rendue à l'avant-première du film L'incroyable histoire du facteur cheval signé Nils Tavernier, à Paris le jeudi 10 janvier dernier. La comédienne de 40 ans y incarne Philomène Cheval, la compagne de Joseph Ferdinand Cheval, interprétée par Jacques Gamblin. À l'occasion de cet événement, l'actrice était parée d'une magnifique robe noire coupée en dessous des genoux. Moulante, cette tenue mettait en valeur sa jolie silhouette longiligne. Perchée sur des escarpins de la même couleur, Laetitia Casta laissait apparaître ses longues et fines gambettes. Un look à la fois sobre et élégant, sublimé par de belles boucles d'oreilles en accessoires et un maquillage parfait. Décidément, Laetitia Casta a le vent en poupe. Elle est également à l'affiche de L'homme fidèle réalisé par son cher et tendre, Louis Garrel. Invitée sur le plateau de C'est à vous le lundi 17 décembre dernier. La jolie brune expliquait la peur qu'elle avait ressentie à l'idée de tourner avec son chéri. C'est un projet particulier où d'un coup le cinéma et l'intime se mélangent. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai toujours fait des projets très indépendamment, déclarait-elle. Un défi d'autant plus difficile que Laetitia Casta ne vient pas du cinéma, comme elle a tenu à le rappeler. D'un coup j'ai eu peur, peut-être, de perdre mon secret et mes bases, a-t-elle avoué. Mais cette expérience s'est avérée salvatrice. Il s'est produit l'inverse. Ça a décuplé quelque chose. Ça a amené à m'ouvrir aussi. Et peut-être de lâcher prise, a-t-elle confié, sous les yeux admiratifs et amoureux de Louis Garrel.